Nous avons une police nationale qui a gagné déjà 25 ans d'expérience. 25 ans d'expérience. Près de 14 000 policiers et 5 000 employés civils. Avec toute tête chargée de problèmes que nous connaissons, la police là a fait face avec. Problèmes d'effectifs, problèmes de management, problèmes de leadership et demande de sécurité qui gagne pour la police à faire face à elle. Donc, sans pas faire trop d'histoire, je dis exactement, ça fait 2 mois depuis que je tête la police là. Et je débat tête moins 2 objectifs. Premier, c'était reprendre contrôle la police là, rapprocher de policiers et puis commencer par le service de sécurité à la population. Et première activité que je fais, c'est visiter les policiers, parler avec eux, tendre eux, développer une sorte de leadership participatif pour que nous remettions les policiers en confiance. Et je me suis dit, tout, je suis arrivé le 16 novembre, je me suis dit, il faut travailler pour que nous avons un message pour que la diaspora, qui vient faire 2 ou 3 jours dans le pays, malgré une situation difficile. Et je me suis accompagné par des opérations que je me suis fait pour me dire, premièrement, dîner qui a fait des audios, pour l'autre commandant dans la ville. Et la population n'a pas attaqué, rentré tout côté de la perception que la police n'a pas qu'à rentrer. Nous faisons ça, village de Dieu, et nous faisons des bouquets, et nous donnons des nouvelles. Effectivement, tu as gagné un petit résultat. Dans la rue, tu as gagné un pile blocus, tu as gagné un pile activité culturelle. Et Kounien, nous passons la première phase. Kounien, il y a des turbulences politiques qui sont annoncées. Il y a une élection qui est programmée dans le pays. Il y a un job par nous. C'est fait de telle sorte que toute activité de l'État, gouvernement programmé, la police a fait job. Donc, c'est présence policière dans le commissariat. C'est présence commandant dans le moment difficile. C'est une fois pour nous faire, pour nous bailler policiers au minimum pour le café de travail. Là. Et travailler tout pour améliorer les conditions de travail. Yo. Parce que ça, nous connaissons un mouvement de syndicat dans la police. Là. Nous-mêmes, côté de soutien, tout policier a le droit. Syndiqué, mais la fête dans l'ordre et la discipline, dans le respect, règlement et loi pays.